Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras. Bonsoir a toutes et à tous. Je remercie Amar de m'avoir invité et j'aimerais vous lire deux poèmes qui sont extraits de mon premier. J'aimerais vous lire deux poèmes qui sont extraits de mon premier recueil qui s'appelle L'Amant Vierge. Alors, comme vous verrez sur la table, mon nom c'est Bernard Fournier et j'écris sous pseudonyme, c'est Alexandre Gorény. Et c'est pas parce que j'ai un pseudonyme anglophone que je suis un soutien de Vladimir Poutine, rassurez-vous. J'aimerais commencer par le prélude de mon premier recueil. Je souffre de ces blessures qui ne saignent pas, et le simple fait de l'écrire me donne l'impression d'en avoir trop dit. Je lutte au fil des jours pour ne pas me résoudre au mutisme. Je m'étouffe avec le fil de la raison. Je porte l'invisible sur mes épaules. Et je pleure sans écouler de larmes. Je ne constituerai jamais plus qu'une saison dans la marche du temps. Dussé-je m'évanouir demain, que je garderai une chose à montrer au monde. Un livre. Un recueil de l'imaginaire et du réel, fruit de la patience et de l'abnégation d'exister. J'ai failli mourir d'une absence de parole, vivant comme le petit sujet de l'empire du silence. Là de me taire et de contenir l'impossible en moi, j'ai choisi de renouer avec le langage, tracer des lignes de son. Je ne sais quoi espérer, autant que je suis convaincu d'une chose, écrire, c'est affirmer ce que l'on est, sans avoir à parler de soi. Merci. Merci. Et je vais vous lire un deuxième petit poème. Voilà. Deuxième petit poème qui s'appelle L'Endiguement. Chaque nuage qui me parcourt est une pensée nouvelle qui vient d'éclore. Sa teinte est plus ou moins claire, quelquefois au point de ne rien laisser transparaître. Il s'avère difficile de contrôler son passage, puisque tout objet matériel ne peut que traverser ce corps éphémère et gazeux. Parfois, il arrive que l'accumulation des nuages provoque un soulèvement de l'eau, sans que rien ne puisse calmer ce bouleversement. Voici l'émotion. Cette force vive et impérieuse que je freine aussitôt par l'érection d'une digue. Car l'être humain est une bête émotionnelle qui, tapie au fond de sa cage, s'avère incapable d'exprimer ce qui l'emprisonne. Devant cette énergie nocive, il semblerait que l'aliénation soit devenue le joug de l'humanité. Tant pis. Je préfère me heurter aux confins les plus amers du réel plutôt qu'à ceux d'une pensée étroite. S'il est vrai qu'aujourd'hui c'est un crime de ressentir, comment peut-on vivre alors sans avoir le goût d'exister? J'ignore quel monstre naîtra du langage de naissance, mais il sera de ceux qui n'ont pas encore oublié de vivre. Merci. Merci. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras,